Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de d'hypnosophie et continuer sur ce cheminement de l'hypnose n'est pas forcément quelque chose de magique, qui n'est pas vécu après aussi par nos partenaires comme quelque chose de magique et ça ne pose pas réellement de problème pour le praticien comme pour le partenaire. Bien sûr, hein, ceux qui sont en attente excessive, etc., là c'est autre chose et on doit passer un certain temps pour dialoguer, pré-talker avec eux. Je sais que certaines tendances vont dire non, il n'y a pas besoin de pré-talker, ils viennent avec leurs attentes et autant commencer directement dans le cœur du sujet. L'idée, elle est intéressante puisqu'on pourrait se dire, tiens, je vais jouer avec le levier d'attente et de croyance qu'il a et potentiellement, je vais pouvoir l'orienter grâce à ça. Ça va être une possibilité supplémentaire pour qu'il vive une transe telle qu'il souhaite la vivre, ou en tout cas telle qu'il va se projeter la vivre pendant la session. Néanmoins, moi je suis vraiment un adepte du pré-talk, du fait de bien présenter, de bien faire comprendre ce que c'est, ce qui peut se passer, comment ça peut se passer, sans justement aucune magie. C'est-à-dire que assez souvent, j'enlève tout côté très différent de ce qui peut être vécu, hormis le fait que ce soit drivé par quelqu'un de l'extérieur. Quand je dis ce qui peut être vécu au quotidien. Sauf que cet élément-là, ça va être vraiment orienté par quelqu'un. Donc, il va y avoir une adhésion du partenaire pour laisser ressurgir, puis exploiter sa transe dans un objectif bien défini, dans un cadre d'hypnopratique, etc. Ce qui fait que, au bout du compte, moi en ce moment, je suis à cette réflexion de fond, de dire que notre boulot, un des boulots, hormis être le spécialiste des trans, alors quand je dis spécialiste, celui qui est apte à reconnaître et exploiter ses trans et les trans d'autrui, c'est de devenir des spécialistes de la compliance, de faire qu'autrui devienne compliant. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je suis pas du tout un fan de mirroring, quoi, matching, mirroring, pace, lead. Donc, je suis souvent en train de dire que c'est pas utile. C'est pas utile parce que on peut très bien avoir un rapport qui est très positif avec une simple poignée de main sans avoir besoin de passer par tout le reste. Le matching se passe à ce moment-là et le mirroring, le pass, le lead. On n'a pas forcément besoin de le mettre en place d'un point de vue technique. Il peut se faire d'un point de vue très spontané. Et néanmoins, je reviens quand même sur cette notion, parce que bah, très régulièrement, on entend cette logique. J'en parlais encore mardi avec Jimmy. Il disait, bah, moi, je pense qu'une des clés, c'est vraiment la notion du rapport qu'il va y avoir entre le praticien et le partenaire, donc ce qu'on pourrait nommer alliance thérapeutique. Et là-dessus, avec mes réflexions actuelles, je me dis, bah, ok, je comprends mieux comment on pourrait exploiter cette notion de rapport, mais ce coup-ci, un petit peu dans la notion de se dire, bah, si je crée un rapport positif, c'est pour le faire adhérer, le faire devenir compliant à ce que je vais proposer. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette notion de compliance, et je crois que c'était avec Banyan. Où je vous avais dit que, à l'inverse de ce que nous on a l'habitude de faire en France, souvent avec notre tendance indirecte à contourner les résistances potentielles ou les croyances potentielles du partenaire au travers d'une sémantique spécifique, là-bas il y a une demande d'adhésion. Sois compliant, sois OK avec ce que je vais te dire et tu vas suivre ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion où l'état d'esprit du partenaire est complètement ouvert, confiant dans le partenaire, dans le praticien qui va être là en train de lui proposer la session. Et là donc, j'en suis dans l'idée à me dire, bah, nous en tant que praticien, notre idée est de créer de la compliance chez les gens. Mais là encore, peut-être qu'il peut me déranger dans la notion matching, quoi, dans le rapport PC-Lead, etc. C'est que il faut que ce soit volontaire. En gros, j'exagère le trait, mais comme si dans la phase de pré-talk, on dealait pour que on vendait,
je vais même utiliser ce terme-là, on vendait l'idée à notre partenaire que il doit impérativement suivre, croire et bien sûr s'exprimer le cas échéant, mais dans ce qui va être mis en place, c'est-à-dire d'être OK pour tout ce qui va être vécu pendant ce temps-là. Et c'est comme si une partie de notre job allait être de rendre les gens compliant. Or, nous, en France notamment, où les personnes qui sont un peu en retrait, ils sont beaucoup en réactance. C'est-à-dire que c'est comme si on leur avait dit plein de fois sur des croyances que ça c'était une vérité ou que ça allait se passer comme ça, dans les ouvrages, en l'occurrence sur l'hypnose, sur les émissions télé, les articles, les trucs, etc., etc. Et qu'il y a un espèce de mouvement intérieur qui est en réaction par rapport à ça, et à tel point que c'est en rejet, en réactance. Alors ils vont quand même venir voir, tenter, tester l'hypnose, mais avec cette notion de dire, mais de toute façon, je rejette quasi unanimement avec moi-même tout ce qui va être proposé, parce que j'y crois pas. Ça pourrait être bien, ça marchait, mais je suis contre cette notion-là. Donc aujourd'hui, en tout cas là où j'en suis aujourd'hui, la notion est de dire, bah on va avoir un compliant versus réactant. Donc cette notion de dire, je veux une full adhésion, une complète adhésion à ce que je vais proposer, dire, faire. Après, bien sûr, parfois notre sémantique va pas être juste. Peut-être que la personne va aussi vivre des choses. Il va y avoir une fuite, une résistance ou même une incompréhension. Et dans ce cas-là, nous, émetteurs de communication, on doit se remettre en question à ce moment-là. Donc, permettre à notre partenaire d'être compliant et diminuer la réactance. Voire, bah, permettre qu'elle n'existe plus. Ce qui peut emmener même à refuser de faire une session, ce qui est assez classique, en tout cas qui est très connu, pour que la personne, bah, si elle veut pas adhérer, pourquoi moi, j'irais contourner une réaction vis-à-vis de l'hypnose ou de la thérapie ou de ma tronche, pour que la personne, contre son gré, conscient, certes, le subconscient peut peut-être donner d'autres infos, bien que la plupart du temps, pour moi, la résistance ne vient pas forcément du conscient, vu que le conscient a décidé de venir, par exemple, ou a décidé de travailler sur lui. Parfois, c'est quoi? Souvent, c'est le subconscient. Mémoire à long terme, pattern, valeurs, croyances qui bah, font de la résistance parce qu'ils n'ont pas forcément envie de changer. Donc, pourquoi moi, je vais imposer, sans que la personne puisse le conscientiser et adhérer à ce que je vais dire au travers d'une sémantique qui va être. Qui va être indirect, un mieux-être, alors que lui-même ne part pas dans une dynamique d'équipe, de partage, de consolidation à deux du cheminement à ce moment-là. Même si ça semble, bah, on revient sur ce mot-là, permissif, bah non, ça l'est pas du tout. Parce qu'en réalité, je vais utiliser des traquenards, j'exagère les mots, mais des traquenards pour emmener le partenaire à aller dans une voie du changement alors qu'il n'est pas compliant, il n'est pas OK pleinement, totalement pour faire vivre l'ensemble des transes, des suggestions, voire des phénomènes on peut lui proposer pendant la session. Et notre partenaire et le partenaire, lui, il vient comme il est. C'est à nous de se poser la question, comment je peux être capable, ou comment je peux emmener mon partenaire à être compliante de façon volontaire et motivée dans la démarche qu'il met en place. Et pas, bon, bah, c'est pas grave, même si je vois qu'il est en mode résistance, je vais passer outre avec bah, mon travail de confusion, avec une commande imbriquée, etc., etc. Non, réellement lui faire adhérer à ce qu'on est en train de proposer. Donc, là, moi, pour résumer le tout, l'idée actuellement, c'est de se dire, peut-être que nous, on est des personnes qui allons orienter vers une compliance, et peut-être que c'est une des compétences qu'on peut développer, rendre les gens plus compliantes, pour aller à l'opposé de la réactance par rapport à ce que très souvent les partenaires en plus peuvent attendre, projeter, à se dire, ben non, je réagis à ce que tu es en train de faire parce que c'est pas ce que j'ai vu chez Mesmer ou autre. Donc, peut-être réussir à se placer et devenir spécialiste dans ce domaine-là. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!